Bonjour, bon réveil à tous et à toutes. Merci de choisir Canal Algérie pour pouvoir passer un petit moment de votre début de matinée. Un moment qui nous mènera jusqu'à 9h30 comme chaque début de matinée d'ailleurs. Nous sommes là 7 jours sur 7 avec les différents animateurs de cette émission. Animatrice, oui. Beaucoup plus animatrice qu'animateur, parce qu'animateur, il n'y en a qu'un seul. C'est Mahrez. Alors, j'espère qu'il fait beau du côté de chez vous, que vous soyez, parce que à Alger, il ne fait pas du tout beau temps. Il pleut depuis hier, il a beaucoup plu cette nuit. Est-ce que ça va durer? Apparemment, oui, hein, d'après ce qu'on a pu voir ce matin. La pluie ne veut pas s'arrêter. Les détails, bien sûr, très attendus dans un moment avec le premier rendez-vous météo de Mina Abed, qui est déjà sur place au studio. Salut Mina. Salut. Merci de répondre. Voilà. Un peu en retard, mais merci de répondre. Alors aujourd'hui, ce qui vous attend, ce sont les rubriques du mardi, bien évidemment. Elles sont au nombre de trois. La rubrique Mosaïque, Nasiba Djaidir, qui nous fera découvrir cette très belle exposition qui, à la base, n'était pas accrochée sur les murs de l'ambassade des États-Unis. Quoique, en ce moment, c'est ce que vous pourrez remarquer. Alors, c'est une exposition, c'est un coup de foudre, on va dire, de l'ambassadeur, de son excellence, l'ambassadeur des États-Unis. Il a décidé d'inviter les galeristes pour pouvoir accrocher cette exposition de calligraphie, de miniatures dans les minures. Très, très belle, ça vaut le détour. Une belle exposition que vous fera découvrir tout à l'heure Nasiba Djaidir en compagnie, justement, de deux calligraphes et du chargé de l'information et des médias à l'ambassade des États-Unis. Tout de suite, la deuxième rubrique de ce mardi, oui, puisqu'on était à l'instant avec Saïd Djebelkhir, nous avions parlé de soufisme. On va rester cette fois-ci dans l'art, la rubrique Mosaïque. Et quand je dis l'art, parce qu'à chaque fois, elle nous fait découvrir de très très belles expositions, notamment celle dont elle va nous parler aujourd'hui et qui concerne beaucoup plus la calligraphie. Bonjour Nasiba. Bonjour Lilia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver comme chaque mardi. Effectivement, nous allons parler aujourd'hui de calligraphie, de miniatures, de décorations sur bois et d'enluminures à travers une exposition, une très belle exposition qui regroupe quand même pas moins de 30 artistes. Une exposition qui se déroule actuellement, non pas dans une galerie d'art, mais à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. D'accord. Le vernissage a eu lieu hier. Et donc, il y a des artistes qui se sont déplacés de différentes régions d'Algérie. En fait, c'est une exposition dont le vernissage avait eu lieu. Il y a eu un premier vernissage, c'était au niveau de l'hôtel Hilton, c'était durant le mois de Ramadan. C'est ce que je disais dans le sommaire en tout début. Je crois que son excellence, monsieur l'ambassadeur, a eu le coup de foudre pour cette expo, c'est ça? Oui, il a eu un coup de cœur pour cette exposition. Donc, il a invité les artistes à se déplacer. Et l'exposition s'est déplacée au niveau de l'ambassade, c'était de la galerie Ahlam, qui se trouve au niveau de cet hôtel, vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique. On ne va pas en dire plus, puisque nous avons le plaisir de recevoir nos invités, des artistes, et le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Hichem Melaksou, qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci. Vous êtes chargé de l'information et des médias au niveau de l'ambassade. Merci. Bienvenue. Merci. Avec nous ce matin aussi deux artistes. Alors Mohamed Skandar qui est designer graphiste. C'est ça, c'est bien ça. Et directeur des études à l'école des Beaux-Arts de Batman. Oui, et vous êtes aussi depuis 87. Professeur au niveau de cette école. C'est bien ça. Ça. Voilà. Bonjour, bienvenue. Vous remercie. Je vous en prie. Et vous êtes venu accompagné de Mohamed Skandar. Excusez-moi, de Ali Ouldramoul, qui est calligraphe, et vous êtes venu, vous avez fait le chemin pour nous ce matin, la route de Médéa. Oui. Vous êtes arrivé sous une pluie battante. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. C'est un honneur pour nous. Je vous en prie. Alors, je reviens vers vous, Hichem Melaksou. Un peu plus d'informations sur cette exposition.
Enfin, bonjour, donc merci de pour l'invitation. Donc c'est comme donc, vous l'avez bien dit, donc, c'est, donc, l'ambassadeur donc, a, en tant qu'a visité donc, la galerie Ahlam, donc, oui. C'était durant le mois de Ramadan, donc il a le coup de foudre pour cette exposition, donc les œuvres donc, ont été exposées, oui. Donc des calligraphies et miniatures. Oui. Donc il a invité ses artistes une première fois, donc il y a 2 semaines, donc, chez lui, donc, dans sa résidence. Oui. C'était une rencontre, ma première rencontre, donc ils se sont enfin... se sont mis d'accord donc, pour organiser, donc, déplacer donc, cette exposition donc, de la Galerie Ahlam donc, à l'ambassade. Et ce programme donc, s'inscrit dans le cadre du programme lancé par le département d'État en 1963. Ce programme, c'est Art dans les ambassades. Mm-hmm. Donc cette exposition est un peu particulière parce que normalement, c'est une collection d'œuvres donc d'artistes américains qui est exposé donc dans plus de 200 sites donc y compris des chancelleries, des consulats, des résidences de chefs de mission, mm-hmm. donc à travers le monde. Mais cette fois-ci, c'est une exposition donc de l'art algérien donc d'une résidence de chef de mission américain. Mm-hmm. Ça c'est la particularité parce que comme l'ambassadeur qui est un grand passionné donc d'art algérien, parce qu'il a connu donc l'Algérie parce qu'il a servi en tant que conseiller politique de 99 à 2000. Donc il a voulu mettre en valeur donc l'art algérien donc et aussi donner à ses invités donc américains et internationaux donc une idée donc de la qualité, de la diversité, de l'étendue de l'art algérien. Tout à fait. Et là Mohamed Skandar, donc dans cette ça a été aussi pour vous un lieu de rencontre, d'échange, ça rentre dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays et c'est une belle expérience pour vous? Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. D'ailleurs, je ne savais pas que ça se passait dans ce cadre agréable. Et c'était très convivial aussi. Ça m'a permis de me rencontrer avec des amis que j'ai perdu de vue. Je n'ai pas vu depuis une belle livrette et tout ça. Et de rencontrer aussi des amis et de... D'autres artistes, et de faire des connaissances, d'autres techniques, et de faire même découvrir ce qu'on fait. Tout ça. Ce que font les autres dans ce font les autres, ce qu'on fait nous-mêmes, tout ça. Ça a été bénéfique, surtout dans le cadre, c'était pour une première. Ça ne tombait pas à une ambassade américaine qui reçoit des artistes algériens. On a l'habitude d'exposer dans des galeries, dans des espaces étatiques et tout ça, mais cette fois-ci, ça a été une autre expérience. En qualité, ça a été extraordinaire. Ali Oudramoul, donc vous êtes céramiste, et à la fois céramiste et calligraphe. Ouais. Et on peut dire aussi qu'il y a tout un groupe de calligraphes et dans l'humineur à Médéa. Oui. Ils sont regroupés en association aussi. Oui, Médéal est connu surtout pour sa céramique. Oui. Et depuis ces dernières années, il y a une association culturelle qui s'appelle El Raqim. C'est une association pour la promotion de la culture, l'artisanat, les arts plastiques. Et chaque année, on fait une journée d'études de calligraphie avec des concours, etc. Ce qui fait ça a boosté la calligraphie à Médéal. Et grâce à ça, on a eu des prix nationaux et internationaux, tels que l'artiste Safar Bati Mohamed, il a eu des prix en Orient, ici en Algérie 2 ou 3 fois, des premiers prix avec les Syriens, avec les Iraniens, avec toute cette expérience iranienne, il a pu s'introduire avec les grands calligraphes. Et on a aussi 2 grands calligraphes de Médéa qui ont eu des prix cette fois-ci à Tlemcen. Il y a Douar qui a eu en 2010 un prix de calligraphie et en 2010, à l'occasion de Tlemcen, capitale de la culture arabe, un prix de miniature. Une chose est certaine, c'est que vous êtes venu en force dans cette exposition, dans le vernissage qui a pour titre Encre et Lumière et dont le vernissage a eu lieu hier en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur Henry Hensher. Et que nous allons voir tout de suite. Je parle bien évidemment de l'exposition. Alors, on va aller donc suivre le guide de Nasiba Jaidir pour découvrir donc cette très très belle exposition. Et puis, on continuera à en parler juste après. À l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, l'art arabo-musulman est à l'honneur. Encre et lumière, c'est le titre générique de cette exposition
Une exposition qui réunit des miniaturistes, des calligraphes, des enlumineurs et des décorateurs sur bois algériens. Entre tradition et modernité, un chant créatif qui cristallise toute une émotion de l'âme. Une spécificité dans le présent, une continuité avec le passé. Dans cet événement culturel, une trentaine d'artistes nous donnent à apprécier leur talent. Un talent et une passion largement partagés à l'ambassade le jour du vernissage. Sur invitation de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis à Alger, la Galerie Ahlam a déplacé l'exposition Encre et Lumière à l'ambassade des États-Unis. Et on est honoré de cette initiative et cette invitation. Je suis très content d'assister à cette expo qui regroupe plusieurs calligraphes du territoire national, notamment nos calligraphes de Média. Nous sommes là pour soutenir ces actions qui permettent d'échanges entre divers calligraphes et divers artistes pour faire promouvoir cet art. C'est une occasion de se rencontrer, d'échanger des techniques en ce qui concerne la calligraphie arabe. Une identité, une culture, un patrimoine à travers une exposition qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité. Dans Encre et Lumière, l'art arabo-musulman s'illustre par des œuvres dignes de l'enseignement de ses maîtres. Un savoir-faire ancestral hérité par ses disciples, une fidélité de cœur, un amour et une motivation dans un travail artistique qui nous fait remonter dans le temps. Des artistes consacrent leur capital temps à un art qui a ses propres règles et son propre langage. Dans cette exposition, un ensemble harmonieux par ses arabesques, la complexité de ses décorations florales et géométriques. Rigueur, précision, minutie, à travers un art qui exige une maîtrise des principes stylistiques et techniques. La calligraphie, un art où la lettre se place et se déplace, sous la main dansante et musicienne de l'artiste. Cette exposition m'a vraiment apporté du plus parce que selon mon travail en tant que calligraphe, mon travail consiste beaucoup plus à la calligraphie maghrébine et tout. J'aimerais bien que ça se développe.